Bienvenue à tous. So welcome everybody for the photo call of Good Time de Benny et Josh. By Benny and Josh Safdie. Deux jeunes réalisateurs new-yorkais qui ont donc présenté ce long métrage, leur troisième en compétition officielle. Déjà une forme de concentration pour ces deux New-Yorkais qui filment leur ville et notamment leur quartier natal, leur quartier de naissance, le Queens à New York. The neighborhood they're from, the Queens in New York. Toute leur équipe et notamment leurs comédiens. Et parmi leurs comédiens, among the actors, there is Robert Pattinson. À Cannes, Robert Pattinson. Back in Cannes, Robert Pattinson. Après être venu en compétition pour Maps to the Stars. Recently for Maps to the Stars. De David Cronenberg. By David Cronenberg. And as well Cosmopolis. Alors c'est lui qui a demandé et qui a découvert la cinématographie de Joshua et Ben Safdie et qui leur a demandé de travailler Ben and Josh avec eux. Et c'est ainsi qu'ils ont construit ce film. That's how they created this film, how they came up with this film. Good time, dans a thriller. Dans le fond new-yorkais avec un peu New York underworld, détruant la petite semaine. With these, petty crooks. Les délinquants, les oubliés du système, comme ils appellent les frères Safdie. Et donc sur ces images, vous découvrez Buddy Duress à droite de l'écran, qui est l'un des comédiens du film, et surtout un des comédiens découverts par ses deux frères dans leur précédent long métrage, Mad Love in New York. Également donc Robert Pattinson, bien sûr, que l'on ne présente plus, à Cannes, très heureux. Très heureux aussi d'avoir réussi en ligne, j'imagine, ces deux frères ici à Cannes en compétition. Là, c'est Josh Safdie. L'un des deux réalisateurs, lui est uniquement réalisateur, parce que son frère, Benny Safdie, lui, que l'on voit juste à ses côtés, lui est à la fois réalisateur et acteur du film. Il joue le frère de Robert Pattinson dans ce film, un frère légèrement déficient mental. Et à leur côté, une toute jeune comédienne, Talia Webster, dont c'est le premier long-métrage. Voilà les deux réalisateurs et leurs comédiens, deux réalisateurs dont un réalisateur comédien, donc Benny Safdie. So Benny Safdie qui joue avec Robert Pattinson un délinquant. Un délinquant malgré lui, en quelque sorte. Et Robert Pattinson va passer son temps à essayer de faire libérer son frère, mais il ne va pas réussir. Robert Pattinson tries to get his brother released. He can't find bail for him, and then he goes off on all these adventures. Dans le New York actuel, à la recherche de son frère, dans le but de le faire évader. To escape, so it's a thriller. Un film qui n'est pas sans rappeler les cinéastes des années 70 qui ont filmé leur New York comme bien sûr le grand Martin Scorsese. A film that really shows off New York very well, very much like the 1970s and very much like Martin Scorsese was doing at the time. And I think he's going to be producing their next project, which is Martin Scorsese. Which is being planned at the moment. So Martin Scorsese influenced this film clearly, and his influence goes right through to these young New York filmmakers, and their next feature is going to be called Uncut Gems, and it'll be produced by Martin Scorsese. So we'll be talking about these two brothers in the future, and it's going to be Jonah Hill that's in their next film. But this is Robert Pattinson in this film. Voilà. Entouré par Josh, Ben Safdie. Alors je vous le disais, hein, ce sont des jeunes réalisateurs, ils ont fait de nombreux courts-métrages. The young directors made a number of short films, three classés de features, often on people who were on the margins. There was Heaven Knows What about junkies, divorced father with his two children. That was Lenny Cook, the story of a New York architect, Josh as well. So there's Josh and Benny. Qui avait été présenté déjà à Cannes, Lenny Cook was
in the Robert Pattinson. Donc il était directors for the night. There's Robert Pattinson. He was here as well for the Rover. En compétition, je vous ai parlé de Competition. I talked about Maps to the Stars. Je vous ai parlé de Cosmopolis. Cosmopolis. Maps to the Stars was 2014. Cosmopolis 2012. Of course, David Cronenberg. Alors, was directing Robert Pattinson at the Twilight series, of course, which made him very famous around the world. Le côté de sa partenaire, alongside his partner, Kristen Stewart. Et c'est ensuite, and à la fin it was following the series in 2012, the last chapter dates from 2012. Twilight Chapter 4, qu'il a choisi de se lancer that he decided to go into auteur cinema, which was his real, which is really what he wanted to do in the beginning, and he used his fame to accompany projects like David Cronenberg, Maps to the Stars, the Cosmopolis, with Werner Herzog as well, Queen of the Desert. Et on l'a vu récemment, and recently he was in The Lost City of Zed by James Gray. Et voilà les deux frères, les deux so the two brothers, Safdie, the two Safdie brothers, here in Cannes in competition. On imagine que c'est une forme you can imagine it's a form of consecration. À essayer de défendre leur film pour obtenir une palme d'or. Il palm reste encore quelques films à there's découvrir. A few films to discover. À Cannes. In Cannes. Mais la compétition touche but, à sa fin. The competition is coming to its end. La compétition va se terminer samedi. So it's going to be finishing on Saturday. Avec Lynn Ramsey. With Lynn Ramsey. Mais pour l'instant donc, Josh Safdie, donc avec Good Time. With Good Time. Good Time, une histoire qu'ils ont écrite. A Good Time, a story they wrote. Together. Avec l'idée de faire tourner with Robert Pattinson, of, l'envie de faire tourner Robert Pattinson, Robert Pattinson on board. Et bien leur en a pris puisque les voilà. And it was a great idea because here they are in Cannes with them with it. Un film qui est aussi une forme de a film which is a sort of a tribute to brotherhood. Like these two brothers here, you can see that they are very, very much brothers. It's probably ce sentiment fraternel qu'ils ont fait à travers ce thriller. You know, this idea of looking at brotherhood in this thriller with a lot of humor. D'humour, une description assez rocambolesque, je vous le disais. Very crazy description of or portrayal of New York with car chases with the New York police. Le charme de cette ville, charm of this, on ne se lasse pas de redécouvrir au cinéma. City that we never tire of seeing in the in the cinema. Ils ont planté leur in Queens, leur film, where they set their film, leur histoire, their story. Voilà la toute jeune comédienne Talia so the young Webster. Actress, Talia Webster. Donc c'est, je crois, l'un des premiers rôles à l'écran. I think it's one of the first roles on screen. Talia Webster, qui, Talia Webster, que Robert Pattinson va croiser au moment de sa cavale. Robert Pattinson encounters on his. Des échanges assez étonnants. Oh, when he's on the run, you're a very curious encounter. So as he's trying to escape through the night and the night in the New York night, pursued by the police, et essayant de faire libérer son frère, trying to release et il croise his brother, sur sa route, notamment Buddy Duress, and he comes across Buddy Duress, a very colorful character, aussi petit délinquant qu'on voit là sur la droite de l'écran. You can see on the right of the screen, he's another